Et bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Quintet Plus du vendredi 26 octobre 2018 ainsi que l'arrivée d'aujourd'hui du jeudi 25 octobre. Donc pour l'arrivée d'aujourd'hui du Quintet Plus de ce jeudi, que dire? Belle course. Puis on a des gros gains. Donc si vous m'avez suivi, ça paye pas mal, donc voilà. Donc voilà, alors c'est sûr, mes chevaux sont mal placés. Sont mal placés, mais ils sont dans les 6 que j'ai dans les sur les 8 chevaux que j'ai proposés, ils sont dans les 6. Les 4 premiers sont dans les 6. Donc ce qui veut dire qu'on a un multi en 7 déjà fois 9. Donc je vous dirai combien ça fait. Donc tout d'abord, je vais vous dire l'arrivée. Donc c'est le 3, le 10, le 16, le 9 et le 14. Donc on a Dame et Mange en 8 chevaux, on a le 3, le 10, le 16 et le 9. Le 14 est arrivé 5e, on rentre pas dans le multi en 7. Donc les 4 premiers sont dans mon jeu en 8. Donc et en plus en 6. Donc vous auriez joué en 6 chevaux, le tiers s'est écarté. Vous l'empochiez en désordre. Alors, on commence. Donc, on a ma base, le 16, qui arrive 3e et qui fait 4,95 placés. Ensuite, on gagne 9 fois le multi en 7. Donc, le multi en 7 qui n'est pas négligeable du tout, qui fait 101,70 €. Quand on multiplie par 9, ça nous donne 904,30 à peu près. 904,30 € de gain. Voilà pour ce multi en 7 que je vous proposais dans mon Quintet Plus de ce jeudi. Ensuite, pour le jeu en 8 chevaux, pour ceux qui ont joué le tiercé, quarté et quinté en 8, ou le tiercé en 8, ou le quarté en 8, donc on a le tiercé des ordres qui rapporte 797,70 € et on a le quinté des ordres qui rapporte 817,18 euros, 18 pour plus les bonus. Donc très belles cotes qui sont rentrées. Ça va, on les avait dans les 6 que je vous proposais sur mes 8 chevaux. Super content. Malheureusement pour le 2 sur 4 et le couplet, c'est mal placé. Sinon on aurait fait carton plein. C'est vraiment dommage. Mais bon, on a déjà ma base qui rentre, donc c'est pas mal. Donc commentez pour savoir qui a pioché dans mes chevaux, qui a eu bon et tout. Ça me fait super plaisir de savoir pour vous que ça vous rapporte. Voilà. Donc, ben écoutez, on va passer au pronostic Quintet et de ce vendredi. Donc là, peut-être bien que ce ne sera pas la même. Comme vous le savez, le vendredi, c'est nocturne. Donc, loterie. Hein, enfin, des fois, c'est loterie, des fois non, mais la plupart du temps, c'est loterie. Donc, on va commencer avec ce prono. Donc, de ce vendredi 26 octobre. Donc, c'est une course qui se déroulera à 20h15. C'est la R1C6 à Mons. C'est le Grand Prix de la Toussaint, attelé, 2300 mètres, 16 partants et c'est un départ à l'autostart. Donc mon niveau de confiance est de 2 sur 5. Donc méfiance quand même. Donc mon favori sera le 5, Valco Genila. Ma base sera le 3, Aubryon du Gers. Je l'ai mis en base parce que bon, c'est un gros favori, mais il rapportera pas donc. Il rapportera très peu, vu que s'il gagne, il rapportera très peu. Donc je l'ai mis en base. Je préfère, comme ça, un jeu simple, je joue autre chose. Mon outsider sera le 7, Billy de Montfort. Le 13, Voeland. Et le 1, Be Mine de Well. Donc pour mon jeu simple, comme j'ai dit précédemment, j'ai mis le 5. Donc jouer 5 euros gagnants, 20 euros placés. C'est-à-dire dans l'ordre de 20% gagnant, 80% placé. Je le dis à toutes mes vidéos, mais je suis obligé. Ou 2 euros gagnant et 8 euros placés. Ou alors 10 gagnants et 40 placés. Donc mon jeu simple sera le 5. Mon second favori sera le 3. Mon tocard, le 7. Donc comme je dis, le 3, c'est Aubryon du Gers. C'est un gros cheval. Sûrement qu'il rentrera en tête. C'est même sûr, donc je préfère baser sur les places, mais bon, le vendredi, on ne sait jamais.
On peut se tromper, mais ça m'étonnerait. Mon regret sera le 6, Atacus. Et mes interdits, je n'en vois aucun. Donc, comme vous le savez, mon jeu à 8 chevaux se fait à la fin de la vidéo, enfin à la fin de mes conseils de jeu. Tout ça parce que pour le tiercé, carté, quinté, c'est mieux. Ceux qui veulent jouer à 8 chevaux ou quoi, ou qui veulent piocher dedans, c'est beaucoup mieux. Je vous dirai les tarifs des tiercé, carté, quinté combinés à 8 chevaux. Donc voilà. Donc, on commence avec mon conseil de jeu. Donc, mon 2 sur 4 qui coûte 3 euros sera 5-3. Mon 2 sur 4 combiné qui coûte 9 euros sera 5, 3 et 8. Mon couplet qui coûte 9 euros sera le 5, 3, 8 et 7. Mon multi en 7 champ total qui coûte 30, 32 ou 16 en flexi sera le 5, 3, 8, 7, 13 et le 1. Pour ceux qui ont de mon Quintet Plus en champ réduit, qui coûte 60 ou 30 euros en flexi, ce sera le 5, 3, 8 et en champ réduit, le 7, 13, 1, 4, 2 et 6. Pour ceux qui ont de mon Tic 3, qui coûte 4,30 euros, ce sera le 5, 3, 8, 7 et 13. Alors, pour mon jeu à 8 chevaux, donc comme je vous disais, pour le tiercé combiné à 8 chevaux qui coûte 56 euros, ou en flexi la moitié, mon quarté combiné à 8 chevaux coûte 91 euros, ou en flexi la moitié également, 45,50 je crois. Et pour ce qui est de mon Quintet Plus combiné à 8 chevaux, coûte 119 euros. Voilà. Oui, la moitié en flexi, comme d'hab. Donc, mon jeu à 8 chevaux sera le 5, le 3, le 8, le 7, le 13, le 1, le 4 et le 2. Donc voilà. Alors, bah écoutez, je vous dis, je vais vous répéter mon jeu à 8 chevaux. Le 5, le 3, le 8, le 7, le 13, le 1, le 4 et le 2. Donc, bah écoutez, likez, partagez, abonnez-vous, commentez, surtout sur l'arrivée d'aujourd'hui, pour voir si vous avez bien pioché, vous avez fait bonne pioche ou que vous m'avez suivi, vous avez fait un tiercé en 6, quarté en 6, quinté en 6, juste pour savoir. Voilà. Ça me fait super plaisir en tout cas. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour les arrivées des chevals couplés 2 sur 4 et multi en 7 d'aujourd'hui, de ce jeudi, et pour le pronostic de vendredi. Voilà. Donc, bon gain à tous, bonne soirée, jouez modérément. Et voilà, que dire de plus? Ciao, ciao!